I recommend our chocolate ice cream. Everybody says it's delicious. Okay. Please give me a dish of chocolate ice cream. Listen to the second model. What would you like for breakfast? I can't decide. What do you recommend? I recommend our scrambled eggs. Everybody says they're out of this world. Okay. Please give me an order of scrambled eggs. Page 23. What would you like? Listen to the first model. What would you like for dessert? I can't decide. What do you recommend? I recommend our chocolate ice cream. Everybody says it's delicious. Okay. Please give me a dish of chocolate ice cream. Listen to the second model. What would you like for breakfast? I can't decide. What do you recommend? I recommend our scrambled eggs. Everybody says they're out of this world. Okay. Please give me an order of scrambled eggs. Page 23. What would you like? Listen to the first model. What would you like for dessert? I can't decide. What do you recommend? I recommend our chocolate ice cream. Everybody says it's delicious. Okay. Please give me a dish of chocolate ice cream. Do exercises 1 through 7. You will hear the correct line after you speak. We'll begin. 1. What would you like for lunch? 2. What do you recommend? I recommend our chicken soup. Everybody says it's delicious. 3. Please give me a bowl of chicken soup. 2. What? Page 23. What would you like? Page 22. Listening. Listen and choose what the people are talking about. 1. How much does a gallon cost? $2.79. 2. They're very expensive this week. You're right. 3. How many loaves do we need? 3. 4. Sorry, there aren't any more. There aren't? 5. I need 2 pounds. 2 pounds? Okay. 6. How much does the large box cost? $5.39. Okay. Thank you for doing a very good job. Thank you very much. Okay, let's say hello to everybody. Thank you for following Malebranche on the air. It's a special English class where you stay home and learn English with Teacher Malebranche on the air, okay? Moi, salut à tout le monde. Merci le fait que vous avez déjà branché cours anglais ça, hein, yon cours anglais spécial. Pendant que vous chita la caillou, wap apprendre anglais avec moi à travers Facebook, hein. Je dis, on nous parle de
verbe pouvoir, ok? Pour bien dire, nous pourrons parler de verbe d'effectif en anglais, ok? Là, nous parlons de verbe d'effectif, nous parlons de may, nous parlons de can, et puis nous parlons de most, ok? Nous pourrons voir comment verbe ça a marché, ok? Sorti de présent jusqu'à conditionnel, ok? C'est un très très bel coup. Très bel coup pour me sentir moins à l'aise moi, OK, pour moi bien détailler petit coup ça ba ou là. Dégagez nous la gè koua, chaque monde la gè anglais a dans un 10 groupe au moins. Invitez zanmi ou sur Messenger, sur WhatsApp, vinn suivre bel coup ça mes amis hein. En nous tout faire faut ça, en nous partager là, nous partager. Moi ba ou une minute pour faire ça parce que moi pral bien détailler le ba ou là, OK. On va détailler trois verbes ça, il y aurait les verbes d'effectif, OK, c'est des verbes qui grand monde tête yo. Nous va montrer comment on marche et qui verbe qui équivalent à yo même, OK, en anglais. Il y a très 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 bel cours mes amis, il y a très bel cours qui a permettre que ou enrichir vocabulaire, qui a permettre que ou parler un paquet anglais sans aucun problème. Hein? Yo minute seulement pour nous partager les liens fait samedi hein voyez by mon WhatsApp you OK montez sous malheur branchon hier invitez nous sur Messenger all right venez suivre belle course ça mes amis hein pas à comprendre bagaille ça nous t'a dit ça sur groupe là presque gain 50 monde mes amis les nous live même 30 pas là hein c'est pas bon du tout mes amis en nous pousser OK en nous pousser quoi pour plus devant hein yo minute juste pour seulement partager la gueule dans tout groupe hein, WhatsApp, Messenger, etc. Hein. Une minute très rapide pour faire ça. Hein. Seven. How many cans do we need? Three. Eight. I bought too much. Really? Page 22. Listening. Listen and choose what the people are talking about. 1. How much does a gallon cost? $2.79. 2. They're very expensive this week. You're right. 3. How many loaves do we need? 3. 4. Sorry, there aren't any more. There aren't? Five. I need 2 pounds. 2 pounds? Okay. OK, partagez, nous pourrons commencer très rapide, OK? Let's share, on besoin de 50 moun. How much does the large box cost? $5.39. 50, on partagez, un bel coup anglais, ça, mes amis. On nous partagez, hein? On vient mettre anglais pendant une temps sous. How many cans do we need? 3. OK, 1 hour English, all right? 1 hour English, une heure de temps anglais, mes amis, qui pas déranger, on a belle ambiance. Qui gagne sur Internet là, hein? On nous prend une heure de temps pour nous amuser nous ensemble dans une si belle langue qui c'est anglais. Et nous allons parler de verbe pouvoir, OK? Nous allons parler de verbe pouvoir en anglais, OK? Verbe pouvoir, all right? On dit pouvoir en anglais, alright? Verbe d'effectif, hein? Yo le verbe ça yo, verbe d'effectif qui c'est can, may et puis most en anglais. OK, Gleas? Mais yo dis nous, verbe ça yo gagne des équivalents, alright? Là nous parler de équivalent, ça veut dire yo égal à tel ou tel verbe, OK? Qui pourrait le permettre tout parce que can yo limité dans temps en anglais, OK? Là nous dit yo limité dans temps classe, ça veut dire les a conjugué classe même lorsque yo au présent, m'pap ka mettre s pour troisième personne singulier. Première remarque, OK?
Premier remarque là, les mouvés m'a conjugué verbe ça au présent. M'di I can pour le présent. Ok? L'em di you can. Alright? L'em di he can. M'pa mette S la dedans pour troisième personne singulier. Ok? C'est vrai, là, m'a conjugué le présent. Ok, Cléas? C'est le verbe pouvoir. Hein? Je peux, tu peux, il peut. Ok? N'a conjugué là, m'di dans troisième personne. Premier remarque, Cléas. Dans troisième personne, dit pas point S. Ok? So, j'ai besoin de 50 moun là. 50. Hein? Dégagez-nous. Lage live là, tout côté. On m'en a vint mettre anglais sous yo. Hein? Ok? Alright. Ok? Premier remarque, Cléas. Nous disons verbe d'infinitif ça, yo, l'a conjugué au présent de l'indicatif. Yo pas prend S dans troisième personne. Ok? Ça, c'est première remarque, hein? Deuxième remarque, nous pouvons faire encore classe. Trois verbes ça, qui c'est can, may, most, yo est un verbe défectif. Ok, classe? Yo pas conjugué dans tout temps, mais yo gagne des équivalents qui permettent nous aljeunir dans futur, qui permettent nous aljeunir dans conditionnel. Ok? Suive bien classe, ok? Suive bien. La seule chose songer, nous avons besoin 50 moun, hein? On nous partager, hein? Dit premier remarque nous fait classe dans troisième personne il pas point s. OK, troisième personne il pas point s pour temps présent. Ça c'est premier remarque que nous fait dans verbe là. OK, on allait pour une autre remarque encore, hein, pour trois verbes ça. OK, classe, l'aime bien dire he may. OK, pour le présent il pas point s. OK, c'est verbe défectif. OK, nous disons que l'autre remarque nous fait encore classe. Deuxième bagaille, les verbes ça y a conjugué classe. Li pas accepté pour mettre tout. Ok? Par exemple, si m'y a un verbe play, m'y dit to play. Est-ce que nous l'a un classe? Nous ka dit I want. On suive exemple. I want to play. Ouais? Moi, je voulais jouer. I want to play, yon premier verbe, yon verbe à l'infinitif. Est-ce que nous l'avons? I want to play, ouais. C'est vrai, après verbe ça là, m'vin la mette yon l'autre verbe à l'infinitif accompagné de tout. Pour can, may, most, m'pap ka fè le consacre là, m'pap ka mette tout. Ni devant, ni derrière yo. Yo pas accepté tout, ni devant yo, ni derrière yo. Exemple là, ouais. Bon, un exemple qui est tout simple, là, m'di, I want to play, ok? Là, m'di, moi, vle jouer. Mais si m'di, moi, capable jouer, classe, ouais, pour m'di, moi, capable jouer, m'pap ka di, I can to play. Est-ce que nous là, hein? M'pap ka di, I can to play. Pour qui ça m'pap ka di, I can to play? Parce que verbe ça, yo, can, may, most, yo pas pren verbe ni devant, ni derrière, yo. Est-ce que nous là, hein, classe? Pour me dire je peux jouer, moi capable jouer, m'a juste dit I can play. Est-ce que nous remarquons en classe, nous pour connait utilisation, hein, mais n'a faut ouais quelques remarques. OK, n'a faut ouais quelques remarques parce que nous pour faut ouais comment utiliser tous les trois mondes ça en classe, qui est différence qui gain entre yo en anglais. OK, d'abord, moi a faut ouais un petit remarque qui gagne. Très bien, songez, j'ai besoin 50 mon. Ok, si vous avez 50 mes amis, là, il faut jouer au moins. On veut l'autre monde, hein, on a les classes. On dit play, par exemple. On dit want, qui parle un verbe défectif, c'est normal. L'autre verbe qui a vu après là, verbe là, a conjugué, verbe défectif. Après, yo, moi, pas qu'à ajouter tout. Ok? Yo pas prendre tout ni devant yo, ni derrière yo. C'est que m'a dit I can play. Est-ce que nous là en classe? Vin là encore me dit I can drive. Ouais, I can drive, hein? Me dit là me capable conduire. Est-ce que mettez tout là? Non, pourquoi ça me pas mettez tout? Parce que trois verbes ça en classe, les m'a conjugué en anglais, moi pas ca mettre tout, ni devant ni derrière. Et l'aime dans troisième personne singulier, moi pas mettre S, ok? Par exemple, classe, si m'a gagné un verbe défectif là, par exemple, m'a gagné un verbe write,
qui est le verbe écrire, ok? Je vais verbe write, par exemple, ok? Ensuite, si je vais verbe write, ok? Je vais mettre là. Si je vais verbe write, comme ça, ok? Là, on conjugue le verbe ça au présent. Pour troisième personne singulier, ça c'est verbe écrire. Je suppose dire he writes. Mettez S là-dedans, ok? Hein? Mais pour trois personnes, ça n'a aucun mot. Je ne pas mettre S, je ne pas prendre S dans la troisième personne en anglais. Est-ce que tout le monde l'a en anglais? Hein? En nous, mes amis, je vais 50 ans, ok? Thank you, ok? Je vais 50 ans. Let's share, ok? M'connais nous toutes là, hein? Pas oublier de vous monter toujours fontissé, hello, femme qu'on là, ok? Alright, Parce que m'connais tout le monde qui partage, ou après, ou mon petit top fan. Ça veut dire c'est le monde qui toujours venu, non seulement venu suivre quoi, et qui partage, hein? Alright, hein? Facebook du monde, ça va c'est top fan, yo, liba yo, mon petit top, ok? Ou après, mon ça, hein? Géo, l'autre qui a peine rentré dans la famille top fan, non? Ok? Thank you! Est-ce que tout le monde là, hein? Là, maintenant, m'dit, I can play, I can drive, là on parle de tout, parce que trois verbes défectifs ça yo, yo pas prend tout, ni devant yo, ni derrière yo. Est-ce que nous l'avons éclairé? Mais nous sommes parlé par exemple, si m'prend may, ok, on prend deuxième, non, qui c'est may, alright, dit tous les trois c'est pouvoir, mais yo gen utilisation yo class, il y a bien détail yo baou, pour voir comment yo utiliser, qui l'on doit utiliser may, qui l'on doit utiliser can, qui l'on doit utiliser most en anglais. Mais, première chose à faire, classe, nous pouvons montrer équivalent yo. A qui ça yo vaut pour yon? Le wap conjugue verbe ça yo, nan passé, ok, passé simple. Le wap conjugue yo nan futur, comment? Pour conjugue yo à l'aide de équivalent yo gen, ok? Alright. Si m'y na classe, m'di I may. Si m'di I may, ok, là ou bien t'envoie là, gagne verbe may, qui c'est un verbe défectif. M'di est-ce que m'ka vin là pour m'di I may to go? Est-ce que m'ka vin là pour m'di I may to go? Non, m'pa ka di I may to go. Pour qui ça clair? Parce que trois verbes ça, yo pa prend tout, ni devant yo, ni derrière yo. C'est que tout a pa bien placé la clair, m'a di I may go. Est-ce que nous là, hein? Hein? Je peux partir. Est-ce que nous la classe? Hein? I can go. I can go. Ouais, je peux partir. Hein? Si m'a dit classe, est-ce que je suis capable de partir? M'a dit, can I go? Can I go? Ok? Quelle autre remarque nous fait encore pour verbe défectif la classe? Verbe défectif ça y est en anglais. L'en a utilisé la classe, ok? C'est avec lui même m'a fait question. Et c'est nous là, hein? Pas bien, nous te parler de trois auxiliaires qui ont besoin pour permettre ou faire question dans l'emgé des verbes ordinaires qui conjuguent dans la phrase là. Mais l'emgé verbe défectif y est classe, c'est avec même yo même m'a fait question, hein? C'est nous là, Glass. Par exemple, là, si m'a dit la Glass, m'a dit you may. Si m'a dit you may go, ok? You may go, alright? Et c'est nous là, Glass. Là, m'a dit ou capable aller. Si m'a demandé est-ce que ou capable aller, Glass, m'a utilisé même verbe ça pour me faire question, hein? Parce que verbe défectif yo, c'est même yo même, nous utiliser pour me faire question. C'est que m'a pas besoin de l'autre auxiliaire, m'a dit may. You go like this. Est-ce que nous l'avons classe? Si je viens dans la classe, je me dis I can go. Pour me faire question en classe, ok? Pour me faire question, je vais utiliser même verbe défectif là, hein? C'est ça, trois verbes ça fait. C'est même lui-même qui fait question à tête là. Hein? Can I go? Ouais. Hein? Puis-je partir? Est-ce que je peux partir? Est-ce que je peux aller? Est-ce que nous l'avons classe? Qui troisième remarque encore classe? Trois verbes défectifs ça yo, les m'utiliser en anglais, même bagaille là toujours classe. Les m'a utiliser à la forme négative, ok? Pour m'utiliser à la forme négative classe, m'seulement à l'après yo, m'en mette not. M'a bon, c'est petit exemple, hein? Nous seulement aller après yo, nous mette not, ok? Alright, il va m'en donner trop de travail, hein? En suivre très rapide. M'seulement aller après yo, mette not. Par exemple classe, m'vin là m'di, I can go, ok? You can go. He can go.
we can go. Ok? Là, c'est vrai, là, on conjugue au présent. Pas vrai, classe? On conjugue au présent de l'indicatif là. C'est là, classe. Si vous avez un commentaire, on fixe sur ça. Hein? Alors, je me fixe pour me bien baoul, ok? I can go, you can go, he can go, we can go. Il n'y a pas qu'à prendre tout là parce que trois verbes, ça, on va mettre tout après, ok? Là, on a là, il conjugue au présent à la forme affirmative. Ok, classe? On a conjugué au présent à la forme affirmative. Kounia, si m'a besoin à la forme négative, classe, ok, négative, m'a dit qui ça, classe, I cannot go, est-ce que nous là, ouais, you cannot go, est-ce que nous là, classe, etc., hein, pour tout, hein, ouais, you cannot go, là, m'a dit le présent, forme négative, pour tous les trois, hein, même genre, hein, même si on te met mail là ou bien te met mos, c'est même bagaille là, ok? La marche même genre. Est-ce que nous là en classe? Alright? Cher mes amis, 50 moun m'aptonne, hein? On allait, ok? Ok, alright. L'em vin la kounia classe. Si on m'a de moi kounia, pour m'conjuguer même verbe ça à la forme interrogative, c'est très facile. M'pral le faire même bagaille la classe, m'a utiliser même li même qui m'pral le faire. Verbe la pral prendre place sujet là, et sujet la prend place verbe là. Ça m'pral dire la classe pour forme interrogative. Ok, pour forme interrogative, là, c'est très facile. Je vais faire même bagarre là, mes amis. Je vais faire verbe pour place sujet. Et puis, sujet pour place verbe là. Ok, pour forme interrogative là, mes amis, c'est très facile. Qui ça me dit là? Can I go? Point d'interrogation, est-ce là? Hein? Can you go? Point d'interrogation. Can he? Go, point d'interrogation, est-ce que nous l'avons éclairé? Là, nous avons à la forme affirmative, nous avons à la forme négative, nous avons à la forme interrogative. Faut que ça soit avec même les mêmes mots fait question classe. Parce que les verbes défectifs, ce sont des verbes qui grand monde. Verbes ça au grand monde classe. Il n'y a pas besoin d'aide l'autre auxiliaire pour faire question avec eux. Est-ce que nous là, hein? Y a pas besoin d'aide l'autre auxiliaire, par exemple. Nous te parlons de trois auxiliaires qui c'est do, qui c'est days, qui c'est did. Y a pas besoin de présence moun sa yo parce que y a grand moun. C'est même yo même à utiliser pour faire question en anglais sans aucun problème. Ok? Vous comprenez très bien là? Ok? On étire ça? Est-ce que nous, la classe, nous dit là, nous place ça là pour nous dire que non, si mettez mail c'est même bagaille là on a les mal bon exemple hein? Si mettez mail c'est même genre pour conjuguer ni à la forme négative ni à la forme interrogative ouais par exemple là me dit là me dit I may you may ouais même bagaille la classe ouais là me dit là m'a fait même bagaille là m'a critiquer que non et puis mettez may not c'est ça là hein OK. C'est même bagaille la classe. M'vin la m'retire qu'il n'a pas fait question avec même mail là. Parce que c'est même gens, tous les trois marchés en anglais. Ok. Kounia, qui ça nous va faire classe? C'est là où on va voir comment bagaille la belle, hein? Ok. Très bien. Juston, Levenon, bonsoir. Ok, good. Thank you, thank you. Can I go? Good. Ok. Est-ce que m'ka aller? Très bien. Ok. Pouvoir Tyson, pouvoir, hein? Pouvoir, ok. Kounia nous parlons équivalent yo. On nous garde équivalent yo, ok? Là nous finons équivalent yo. Kounia nous parlons pour nous comment yo utiliser yo en anglais. Est-ce que nous là hein? Là nous avons un petit détail sous conjugaison yo, voilà. Nous avons un petit détail sous conjugaison. Nous avons un petit détail. Nous ne voulons pas apprendre tout. C'est même avec l'ouap utiliser pour faire question. Est-ce que là hein, classe? Ils ont mis un fait moins 50 là, fait moins 50 là, fait moins 50 là, hein? Même 60 partages nous va gagner non mes amis. Oh my god. OK? Kounia classe ça arrivé. Yo di chaque grain monsieur ça a gagné un équivalent. Ça veut dire pour me conjuguer au futur au conditionnel, yo gagné des équivalents. Ça veut dire yo égal à quelque bagaille. Par exemple, on a les très exemple. Hein? Ou très belle coup mes amis. Invitez vous même le monde pas sur presque on fait le suivant, hein? On a les. Kounia, qui ça yon dit en anglais classe? Nous pouvons qu'on utilisation, mais nous montrons qu'il y a équivalent yon gen. Yon dit can, qui est le verbe pouvoir, ok? Can égal, on suivez, ok? Yon dit can égal à to be able to. Est-ce que nous l'avons en anglais? Can égal à to be able to. To be able to veut dire quoi? Être capable de. Est-ce que nous l'avons en anglais? Kounia, si m'a dit classe, je suis capable de.
Ouais, je suis capable de. Let me show you. Ok, ou déjà, ouais, je montre conjugaison en classe. On a les gounia, on a les langadés. Hein? On suit classe. Quand on a les vins la classe, nous dit, par exemple, ouais, I can drive. Est-ce que nous là, hein? I can drive a car. Ok, on suit bien classe, un petit détail ça, hein? Ouais, l'envie là, mes amis, m'apton jusqu'à présent 50 moun, hein? On partage, mes amis, jusqu'à présent, nous baguons 50, nous baguons 60 partage, on allait. I can drive a car. Exemple, hein? Yo dim, can, qui est le verbe pouvoir, can égal à qui ça, hein? Il est équivalent, lui qui c'est to be able to. To be able to. Là, on dit to be able to, classe, mais équivalent, hein? Exemple, ok, on suit l'exemple. Là, on dit, I can drive a car. Si on dit, can égale à to be able to, ça veut dire, on va venir là, tout, classe, on dit, I am able to drive a car. Est-ce que nous, est-ce que ça qui est équivalent, classe? Est-ce que nous, là, hein? Là, je dis ça. Je dis capable de conduire une machine. Est-ce que nous la classe? Je dis capable de conduire une machine. Je dis, là, je dis, I can drive a car. Est-ce que nous la? Hein? Je peux faire quoi? Je peux manœuvrer une voiture. Est-ce que nous la classe? Pour nous aller dans la classe, je dis, I can get équivalent. Qui c'est to be able to. Hein? Qui signifie être capable de. Et bien, je dis, I can drive a car. Et bien, de même, je dis, I am able to drive a car. Est-ce que nous l'avons en classe? Hein? Ouais. I can drive a car. Moi, capable de conduire une machine. Ouais. Moi, j'ai le pouvoir pour manœuvrer une machine. I am able to drive a car. Moi, j'ai le pouvoir pour manœuvrer une machine. Ok? Parce que je dis, can égale à be able to en anglais. Est-ce que nous l'avons en classe? Hein? Est-ce que nous l'avons? Hein? J'ai un petit d'or, bienvenue, my friend. Ok? Mes amis, fais-moi chaque boîte de monde, chaque monde, là, qu'il y a 10 groupes, hein? Fais-le arriver au moins même 80 partages, hein? Ok? Mes amis, mon nom là, 29 monde, on partage, mon Dieu. Ok? I can drive a car, l'égal à I am able to drive a car. Est-ce que nous l'avons en classe? Quand on a venu encore, on allait pour deuxième partie, hein, qui c'est May, ok? Il dit may encore classe, il dit may égal à, OK, il y a équivalent, il disait to be allowed to be allowed to. Mais may c'est le verbe pouvoir, OK, dans le sens qu'il a utilisé, dans le sens de permettez-moi de faire quelque chose, ça veut dire en dans may nous joignons une question de permission, bien que nous pas connait bon détail, mais n'a faut équivalent, OK. Eh bien, c'est ça que fait une vie d'âme gagner. May, li égal à to be allowed to. To be allowed to. Qui c'est dit ça? Hein? Qui c'est être permis de. Ok? Ça veut dire, vous êtes permis de faire quelque chose. Est-ce que là, hein? Ou que permission pour faire un bagage? Est-ce que nous, la classe? Nous disons, si m'pas voulez utiliser may là, m'ka utiliser équivalent li, qui c'est to be allowed to. Ok? Qui c'est être permis de. Ou bien, moi utiliser l'autre équivalent ça qui c'est to be permitted to, qui c'est être permis de. Ça veut dire que t'as ouais. En dans mail là, il y a une question de permission en anglais. C'est nous là, classe. All right, thank you, your lord. Ouais. Gardez sous tête là, doit voir les tout gagner aussi. Top fan. C'est là. C'est mon début à monter qui toujours partagé. Hein? Non, toujours marché. Ou regardez sous tête Christina. Ou après, et même bagay là, hein. Félicie Jean-Pierre, how are you, my friend? Huh? You said, I remember you said to me that you are very interested about speaking English, my friend. Huh? And you don't follow the class on the air? Jean-Pierre, on pas suivre quoi, je dis moi mes anglais ça, man. Ok, class, good. Ok, on dit, can get equivalent qui c'est to be able to. May get equivalent, ça veut dire, qui ouais, qui vient bon, to be allowed to. Kouna, class, si m'vin l'am dit, par exemple, I si bien là me dit I may, ouais. On me dit que non mais moi en ce nom là, nous pas regarder comment il marche hein. Si bien là me dit I may go
out. Est-ce là, hein? Gardez bien glace, ok? Qui ça me voit je moi là? Moi me mail là. Yo dit mail gagne un équivalent qui c'est to be allowed to, hein? Être permis de, ok? Là me dit I may go out, ça me dit la classe, me dit je peux sortir. Regardez bien. Mais là me dit je peux sortir, qui ça je peux sortir là égal glace? Je peux sortir et comme si me t'a dit il m'est permis de sortir. On suit bien, il est là, hein? On suit bien glace, petit détail ça en bas ou là, hein? Un bon exemple, hein? Je dis can a le sens de être capable de, ok? Être capable de, ok? Là me dit par exemple, I can drive a car, ok? Me dit je peux conduire une voiture. Est-ce là, hein? I am able to drive a car. Je suis capable de conduire une voiture. Est-ce là, glace, ok? Me dit ça égal. Me dit même là, on ka bay ça une autre traduction en français, hein? En français. On ka dit la glace en français, me traduit, me dit je suis capable de conduire une voiture et puis me ka dit aussi glace il m'est autorisé de conduire une voiture. Est-ce là, hein? Il m'est autorisation. J'ai l'autorisation de conduire une voiture. Ah, m'gèle a passé trois roues là, hein? M'gèle a passé trois roues là, hein? C'est nous là, hein, glace? Hein? Il marque Sherry. Il marque Sherry. Ah, it's good. Ok, li mwen zay. Zay, zami pa mwen. Fokou pataje chak ton motè pou ka pran top fan nan men. Fokou ge top fan, hein. Wè, Evno, Leonard, ki toujou la pataje, ki ton ge top fan ni, hein. So la, hein. Se moun ki ap supporte, sa ve di ap supporte, hein. Deni, vin mit. Ba wè chak jou, how are you? Ba wè chak jou nan kwa, hein. An pataje, le chak moun la gen lo dis group, I am allowed to go out. Trè bien Tyson, hein. Se nou la, hein. Si mwen nan di, I may go out, suiv ti traduksyon sa, un ti exercice mwen fè la, hein, so la. Suiv ti exercice sa mwen fè la, klas. Lem bin nan di, I can drive a car, ok? Je peux conduire une voiture. Li égal la, I'm able to drive a car. Je suis capable de conduire une voiture. Koun nan mwen ka fè chèlbe la, mwen di, il m'est permis de conduire. Ouais, il m'est autorisé. Parce que can, c'est pouvoir. Il m'est autorisé de conduire une voiture. On va traduire comme ça aussi. Ok, ça aucun problème. Mais c'est nous là, hein. On passe la coune à glace. I may go out, hein. I may go out, ça veut dire. On dit, on va traduire ça à glace qui ça. Je peux sortir. Ok. Je peux sortir. Moi, je suis capable de sortir. Et on va traduire aussi glace. Comment? Il, ouais, m'ka traduit là aussi, hein, avec verbe ça qui c'est to be allowed to. Bon, bon exemple là, kounam ka vin nan di, I am allowed to go out. Est-ce que nous là, glas, hein? I am allowed to be out. Qui ça m'gen, m'gen verbe to be là, m'gen se be allowed, et bien m'conjugue verbe to be. Je be able là, et bien conjugué verbe to be. Est-ce que nous l'avons en classe? Je I may go out, et bien conjugué verbe to be qui c'est be able to, allowed to. Et bien me dit, I am allowed to go out. L'envie n'a qu'une classe, me dit, allowed to veut dire quoi? C'est être permis de, ok? Être permis de. Ça veut dire, moi gagne autorisation, moi gagne un permis pour me sortir. Est-ce que nous l'avons en classe? Moi gagne un permis pour me sortir. Hein? Kouna m'ka traduit ça en français tout pour me dire il m'est et ma apostrophe il m'est permis de sortir. Est-ce que là hein? Ça veut dire gagne un monde qui ban moi permission pour me sortir. Est-ce que tout le monde là en classe? I may go out. I am allowed to go out. Hein? Il m'est permis de sortir. Hein? Par contre, si me passe trois mots hein, sont très belles coups hein. I'm fine with you. Sometimes I don't have time, but sometimes I always look after them. Okay, my friend. Wani Loris, my friend. Good job, hein? Thank you very much. Wani Loris, c'est you know some qui toujours passer sur channel YouTube là, qui toujours qui ton petit commentaire, qui regarde ton petit vidéo. Merci en pile, hein. Merci en pile. Nous sommes prêts pour supporter, hein. C'est pas leur bail l'argent supporter, hein. C'est pas leur bail l'argent supporter, hein. C'est leur paraître ou encourager, ça qui est bon, hein.
OK? Ou passer au like page là, ou inviter le voyer avec quelques amis au like, ou comprendre l'arrivé sur YouTube là, faire même bagaille, ou cliquer sur share là, ou voyer ba aux amis regarder le tout là, c'est l'argent là, vous comprenez? Ça au plus que l'argent, OK clair? C'est nous là, hein. On dit là, on a traduit ça comme I may go out, qui égale à I am allowed to go out, OK? Mais là on dit I am allowed to go out, on dit on a traduit comme ça, il m'est permis. Bon, tu nous comment, hein? Il m'est, est-ce que là, hein? Ouais, comment français après le barret, hein? Il m'est permis de sortir. Est-ce que nous là, hein, classe? Ouais. Il m'est permis de sortir. Hein? Ça veut dire, j'ai une permission pour me sortir. Est-ce que nous là, hein, classe? I can go out. Qu'on y a, classe? Si m'a demandé est-ce que m'ka sorti, c'est très facile. Qui ça me fait? Verbe ça, plus que le son verbe qui grand monde, eh bien lui-même lui fait question qui ça me dit, may I go out? Est-ce que nous là, hein? May I go out? Si me dit may I go out, ça me fait, moi demander permission pour me sortir. Est-ce que nous là, classe? May I go out? Est-ce que nous là, hein? Hmm? You understand? Thank you. Moi c'est quand mon nom m'attend là, m'a presque quitté quoi fini, hein? I am good, my friend. Good, obrigado meu. OK? Very good. OK, me devrais for where? Si traduction, hein? Il m'est permis de sortir. Est-ce que nous là, hein? Si m'a veut traduire jambe de dou là, hein? Je peux sortir. Si je peux sortir, ça veut dire que j'ai une permission pour me sortir. Très bien, pour me tirer français, hein? OK, c'est pas un cours français, hein? Pour me tirer français, OK, classe. Kouna, on a le troisième verbe la classe, dans le troisième, là, qui c'est most. OK? Kouna dit most égale à qui ça avec to have to. Pas oublier classe, nous te dit have, tout court, c'est le verbe avoir. OK? L'em dit I have, par exemple. L'em dit I have a bike. Ouais? L'em dit moi gagne une bicyclette, moi gagne une bécane. I have a bike. OK? Là, qui ça? How suivi d'un article indéfini, hein? OK? Have est suivi d'un article indéfini. OK, Léas? Qui ça veut dire là? Puisque y a un article indéfini ou bien y a un article défini, laisse have, c'est le verbe avoir. Mais lorsque have, Léas, est précédé de tout, have veut dire quoi? Have veut dire devoir, OK? Have égale à most. Exemple. Kouna, si m'vin la glace, m'di par exemple, I, mwen exemple yon, I must, ouais, I must, ok, I must, ok glace, bon metye sa bon bon lot, I must study, for example, I must study my lesson. OK? On suit bien. Égal. OK? I must study my lesson. Yo dis, à qui ça? Ouais? Qui ça, ça veut dire? Must, hein? C'est pouvoir, dans le sens de qui ça? Hein? Qui est équivalent, qui c'est? Devoir, ouais? Et comme si la m'a dit, classe, je dois étudier mes leçons. Et c'est là, hein? Je dois étudier mes leçons. En faire livre 50 ans, c'est 50 ans, maintenant, mes amis. Chaque grain moun là, chaque grain moun là, la gueule là, on 10 groupes, on 5, hein, pour nous faire livrer 50 là, ok? Kouna, l'aime bien la classe, m'di, I must study my lesson, hein, ok? Je peux étudier mes leçons, hein? Peu dans quel sens? Dans le sens de, ok? To be obliged to, ok? Qui a le sens de devoir, ok? Je dois. OK? M'gè devoir pour m'étudier les sons. Son devoir lié pour m'étudier les sons. Hein? I must study my lesson. Moi, dwe étudier les sons. OK? Kouna ki sa ou di? Must égale avec to have to. Ça veut dire, m'a gè équivalent li classe qui c'est I have to. Et bien, m'a dit là, I have to study my lesson. Est-ce que là, hein, classe? I have to study my lesson. Eh bien, c'est la même chose. I have to study my lesson. Well, I must study my lesson. Li égal. C'est ça ou l'équivalent, classe. Li égal à I have to study my lesson. Est-ce que nous, là, classe? Kounia, classe. Lem nye, most.
Let me get motion sa class. Li égal aussi to be obliged to, hein? Être obligé de, ok? To be obliged to, hein? Qui égal à aussi devoir. To have to, qui égal à aussi devoir. Équivalence, qui c'est most. C'est tout le monde là, hein? L'aime dans devoir. Kouna, pour me faire question là, m'a fait même bagarre la classe. Verbe la most qui prend le point place. I prend le point place most. Most, I study my lesson. Est-ce que nous là, hein, classe? Est-ce que là, hein? Hein? Kouna, qui ça me fait classe, mets ton petit tableau qui prend le facilité à comprendre. Kouna, si m'y a verbe can, m'vle utiliser classe. Future can. Qui ça m'a le faire pour m'utiliser future de can? Pour m'utiliser future la classe, c'est très simple. Moi, al nan équivalent. Hein? C'est nous là, hein? Mal utiliser équivalent, ok? Là, nous t'apprenons le présent, yo. Alright? Nous t'apprenons l'essuyer ça. Hein? M'a essuyer petit parti ça, classe, ouais? Hmm? Ok? Hein? M'a essuyer ça, hein? Est-ce que m'a essuyer là? Ok? M'a essuyer ça, qu'on n'a pas qu'à comprendre. Ok? Hmm? M'a essuyer ça. Bon, merci ça. On fait un livre dans son partage. On fait un livre dans son partage. Thank you. Thank you. Ouais, ouais. Moi, je fais ça déjà. Thank you, Bickington Sully. Hein? Ok? Thank you, thank you. I am obliged to study my lesson. Exactly. Exactly, my friend. Ok? Ok, tu dis, you know, ça, hein? C'est ça, là, en classe. Qu'on a classe, t'en dis. Qu'on a, l'envie de l'âme dit, I must study my lesson. Ok? Lem vini nan premier la, m di, I am about to drive a car. Ok? Pour m fè question la classe, c'est facile. Hein? Si m ap fè question la, c'est facile. Nan, I am about, et bien m ap di, am I about to drive a car? Are you about to drive a car? Ba m montre un petit bagay, tout simple. Are you able to drive a car? Est-ce que comment me faire question là classe la première? Pourquoi ça m'utiliser même verbe là? Parce que be est un verbe auxiliaire, OK? Puisqu'il est un verbe auxiliaire classe, pour poser une question qu'est-ce qu'on fait classe, hein? L'inversion du sujet. Sujet prend place verbe, verbe prend place sujet. Est-ce que là, hein? Are you about to drive a car? Am I about to drive a car? Ça c'est pour me faire question. Est-ce que là, hein? Let me know I am allowed to go out aussi. Pour me faire question, m'a fait même bagaille là, m'a dit am I, are you, hein? Ou bien me dit am I, ouais, are you allowed, ouais, to go out, est-ce que là, hein, ouais, comment me faire question, glace, are you allowed to go out, ça me dit là, est-ce que vous avez permis pour sortir, hein? Est-ce que vous avez permission pour sortir, hein? are you allowed to go out, my friend, hein? Nous disons, mais est-ce qu'on a permission pour sortir, hein? Ok? Quand on a l'air à répondre, on a juste dit, yes, I am. Est-ce que nous avons une glace? On a dit, yes, I am. Are you allowed to go out? Yes, I am. Est-ce que nous avons une glace? Are you able to drive a car? Yes, I am. Oui. Quand on a un suivi là, let me know, I have two. Regardez bien, glace. Ça montre là, hein? Let me know, I have two là, glace. Plus que have to veut dire devoir n'est pas un verbe auxiliaire. Puisqu'il n'est pas un verbe auxiliaire classe, pour poser une question, qu'est-ce qu'on doit faire classe? On doit utiliser l'auxiliaire do, des ou did pour poser la question, ok? Qu'on n'a pas qu'à dire have I to study. Regardez bien là, hein, on n'a pas dit ça, hein. Est-ce que Kevin n'a dit have I to study? No! M'a dit have I to study my lesson class? Hein? Est-ce que m'a dit have you to study your lesson? Have you? Non! Pourquoi ça m'a dit have you class? Parce que have to n'est pas un verbe auxiliaire, mais plutôt un verbe ordinaire. Puisqu'il est un verbe auxiliaire ordinaire class, pour poser une question, qu'est-ce qu'on va faire? On doit utiliser class, premièrement, do pour le présent, days. Pour le présent, troisième personne, singulier. Did pour le passé. Est-ce que vous voyez une glace? Hein? Est-ce que nous voyons une glace? Qu'on y a une glace? Pour me faire une question là, dans la phrase qui dit I have to study my lesson dans la glace. Ok? Plus que là, lié au présent, j'ai une première personne
singulier, ok? Pour me faire question, hein? Pour me faire question, hein? M'a besoin auxiliaire do. Pour que ça c'est do? Parce que c'est I have. Have se conjugue au présent ici, hein? Have se conjugue au présent. Puisqu'il se conjugue au présent de l'indicatif classe, on doit utiliser l'auxiliaire do pour faire la question, hein? C'est très facile, hein? Qui ça me vient de me faire classe? Me dit have, me dit do. Ouais? Do you have to study your lesson? Est-ce qu'on a une classe? Do you have to study your lesson? Est-ce qu'on doit étudier les sons, hein? Do you have to study your lesson? Qui veut marquer ou faire classe? Une vraie fois, ouais. Le premier là, même verbe là, c'est lui qui fait question. Hein? Pourquoi ça c'est même lui-même? Parce que am est le verbe être. Être est un verbe auxiliaire. Hein? Le minam dit I am allowed to go out. I am allowed, moi présence du verbe to be, ok? Be est un verbe auxiliaire. On utilise le même be pour faire la question. C'est la classe. Le minam dit I have to study. Moi have to. Eh bien, have to n'est pas un verbe auxiliaire. Pour faire une question, on doit utiliser l'auxiliaire do. Days did, ok? Do pour le présent. Days pour le présent aussi, mais troisième personne singulier. Did pour le passé, hein? Ok? Do you have to study your lesson? Est-ce que tout le monde l'a en classe? Hein? Est-ce qu'on l'a, hein? I must study my Bible. Good, hein? I must study my lesson. Very good, hein? Ok? It's an obligation. It's an obligation, hein? C'est une obligation, hein? Hmm? Est-ce qu'on parle un bel coup anglais comme ça? Est-ce qu'on parle, ouais, non, mais est-ce qu'on parle sans tout petit devoir de pour monter pour partager le samba du ça, hein? Hein? What do you see, class? Hein? What do you see? Hein? Hein? Est-ce qu'on parle de pour monter ou t'as juste pas ou partager un bel coup anglais comme ça, hein? Un bel coup anglais comme ça, s'il coupe, ou pas, ouais, comme si il n'est pas perdu, hein? Hein? On regarde, hein? Ok? Kounya, class, m'fait une fois, ouais, équivalent, yo. Kounya, nous pouvons regarder, si nous conjuguer, yo. Au passé, comme on a conjugué, I am about to crash a car. Ok, you are not a driver, but you can crash it. Ok, let's continue. Ok, on continue classe. Kounya, qui ça nous va faire? Nous avons un petit tableau là qui est là. Ouais, tableau des temps. Ok, classe? Un petit tableau. Ça sent très bel coup, hein? Très bel coup, hein? Nous sommes pour ça immédiatement fini là. Faut m'ta tout retirer let m'la gueule sur YouTube là, hein, pour m'on aller enjoy là-dedans. Parce que c'est un très bel coup, hein. OK? On a bien. Là m'vini la classe, m'dit verb. OK? C'est que là, il y a un verbe là qui c'est can, may and must. Kounya nous parlons de temps yo. Comment pour me conjuguer non temps yo? Est-ce que on a une classe? On partager bel coup ça. Bon moi s'il rive dans ça. Oh! Il faut qu'on même rive nous mes amis. On partager bel coup ça. Thank you for it, heart. Thank you for sending me heart. Hein? Mes amis, oh Jésus. Oh Jésus, regardez belle bagaille qui a fait dans une heure en live, mes amis, moun pas envahi, hein. Oh belle bagaille comme ça, hein. Éducation, hein. Oh belle cou comme ça, belle langue, hein. On regarde la première classe. On dit, l'aime gagner présent de Ken. On regarde Ken présent, c'est même Ken, non, ouais. I can drive, je peux, ok? Dilemme que passé can, qui c'est could, est-ce que là, hein? On suit bien. L'aime que passé can, li ba moi could, ça fait tout fait tiling, non? Qui va le faciliter ou comprendre ni bien, ok? Dilemme que can, qui c'est verbe là, présent can, passé assez could, est-ce que là? Kounya si m'di, si on m'en a pour me conjuguer ça au passé, phrase ça pour me voir le passé, c'est très facile, qu'est-ce que ça me fait? Moi ti ken nan la parce que dit me passé de ken c'est could hein le passé simple hein Kounya m'a dit I could drive a car et cela I could ouais could qui est le passé OK le passé simple hein parce qu'il y a plusieurs types de passé OK I can drive I could drive ça c'est pour le passé et c'est nous là hein n'a quitté me fini quoi pas de secret là OK good job God bless you thank you very much Jean-Pierre my friend OK could, ouais, I could drive, là, m'gen le passé. Tenez bien. Kounya classe, pour m'gen passé, ouais, j'aimerais gagner, on me tire ça, hein. Kounya, si vous demandez m'gen classe, il me dit, I can drive, ouais. For example, today, I can drive, ouais, I can drive. Kounya, si m'da dit, m'pral capable, kondi yo machine, c'est que m'pral en feature simple.
pour me conjuguer, pour me voir au futur classe. Ok, mon métier ça, hein. Pour me conjuguer au futur, qui ça demande moi? Il demande un petit travail tout simple, hein. Tout simple pour futur. Ok? Il demande un petit travail tout simple. Plus que mon papa dit I will can. Est-ce que là, regardez bien classe. Mon papa dit I will can. Ok? Est-ce que nous là, hein? Parce que verbe ça, il n'y a pas besoin de moun aider à conjuguer nos pièces temps. Est-ce que nous là, hein? Trois moun ça, yo, il n'y a pas besoin de moun aider à conjuguer nos futurs, nos conditionnels, ou bien pour faire question, etc. Non. C'est ça que je ne dis pas I will can pour m'utiliser futur là. Est-ce que nous là, hein, classe, pour me faire futur? Kouna, qui ça le permet de me faire classe? Il permet de m'utiliser équivalent pour me faire. Pour me faire une phrase au futur. Ok? Kouna, ça m'a dit la classe, m'a pas dit I will can, mais plutôt classe, m'a utiliser équivalent de can, équivalent de can là, qui est égal avec to be able to, et bien, pour me faire une phrase au futur, hein, et bien, m'a utiliser will be able to. Est-ce que nous là, hein? Si, parce que m'a pas dit I will can, et bien, m'a utiliser équivalent, lui qui c'est I am able to pour me dire I will be able to drive a car, for example. Est-ce que vous glace? Est-ce que vous allez me chercher le futur là comme la paraît, hein? Ok? Parce que m'pap ka dit I will can. Si m'pap ka dit I will can, et bien yon dit m'li gen équivalent, m'ap utilise équivalent pour m'utilise le futur. Kouna m'ap dit I will be able to drive a car. Ok? You will be able. He will be able. Ok? Mais pas oublier clair. Hein? Gen moun ki ta besoin pour mettre toute conjugaison en aller. You will be able to drive a car. Ouais. He will be able. Ouais. To. Ok? We will be able to. Ok? Est-ce que l'on a clair? Kouna sou moun dim, konjuge pou mwen, can, fon phrase, si mwen je mwen non phrase, moun nou di, you can play soccer, ok? You can play soccer, et puis dim, voye phrase sa pou mwen, au futur simple, li mandem pou mwen au futur. Mais pou mwen au futur, ki sa m'a fait glace, on doit utiliser l'équivalent du verbe can en anglais, hein? Quel est l'équivalent de can? L'équivalent de can est be able to. Est-ce que l'on a glace? Puisque be able to est l'équivalent de can, eh bien pour conjuguer can au futur simple, on doit utiliser l'équivalent de can. Regardez belle coup, monsieur. Quoi belle? I will be to bake a chocolate. Chocolate cake. All right. Est-ce que l'on a, hein? Si quoi belle, fais-moi un tifle. Vous un tifle pour moi, non? Si quoi bien passé, hein? Si quoi bien passé, vous êtes fleur, vous comprenez, vous faites moins, j'en la passé, hein? Hein? Vous êtes pour moi, non? 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 Envahim, non? Hein? Envahim, oui, yes, thumbs up, thumbs up. Thank you, LD Mila. LV, on va suivre, on va suivre quoi régulièrement, hein, si on va occuper, ok? Est-ce que l'on a glace? I will be able to drive, you will be able to, he will be able to, we will be able to. Ça est égal à qui équivalent? À équivalent de can, ok? Ça fait, l'envie dans notre tableau, on dit, can, verbe là, présent, can au présent, ok? On doit observer ce tableau ça, on va faire photo ce tableau ça, là, dans le groupe là, ok? Bien que gen un pile moun ki pa vle travay nan groupe la, hein. OK? Yo pa même vinn nan koua. Thank you, OK? Yo pa même vinn suiv koua. OK? Groupe la gen 50 moun mes amis. Pa ka gen 30 moun k'ap suiv koua. Ta suppose gen 60, m konnen au moins 30 nan groupe la avec au moins 30 l'autre moun ki a peine apre koua pendant n'a partagé. Est-ce nou la, hein? Est-ce nou la, hein, glas, hein? Thank you very much. Thank you. I like that. Hein? You make me happy. Thank you very much. That show me, okay? You show me that I'm doing a very good job. Merci. Vous montrez que vous faites un bon travail, hein? Encouragez, mais très bien. Merci, 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 hein? Ouais, ouais. En pile flair, en pile cœur, en pile thumbs up. Thank you very much, okay? Good, okay? Est-ce que nous, hein?
Nous avons la première ligne. Qu'on a qui ça nous pour faire pour nous observer petit tableau ça hein que moi faire photo le blague dans groupe WhatsApp là pour nous hein il va oublier non ouais can égal à hein présent c'est can passé à c'est could ouais I could drive I could study OK I could play ouais could c'est le passé hein qu'on a future on vient bam will be able to petit tableau ça on a bien observé là ouais pour future là dès vous juste garder petit tableau on peut comment utiliser can non présent non passé non futur non conditionnel hein et c'est nous là hein qu'on a glace hein si me dit me ta rimé ouais m'ta capable hein me dit m'ta capable depuis même m'ta hein m'ta capable aider Jean hein mais est-ce que la glace ouais m'ta capable thank you hein you don't stop singing me heart and tons up thank you very much hein mais voyez le by Johnson là voilà la fait au jouer le monde thank you very much my friend okay you have to encourage encourage it is very important okay thank you very much allez ouais Jonaito, leader Jean-François, tout vinyle, tout partagé, ouais. Thank you very much, my friend. Ouais, tout partagé, hein. Hein? Et dis-moi, on connaît là, on dit, bon, on dit, on dit, pas, dit, tout partagé, hein. C'est bien ça, hein. Good job, my friend. Thank you very much, ok? Non seulement vous supportez, et vous supportez un pile monde qui a distrait avec moi là, à la caillou. Vous comprenez? Qui quitte l'ambiance, qui a distrait dans le bagage, qui a mis le demain. Même si vous pas songez tout ça, mais vous songez, vous pas mettre tout derrière Ken pour dire Ken to go. Ou man, ou ap songe ou pa ka di I made to work. Ou pa ka di I made to go out. Ou getan konon, ou pa ka di sa. Eso la, hein? Ou pa ka di I must to study my lesson. Ou getan konon, ou pa ka di I must to. Mais ou ap di I must study my lesson. Eso la, hein? Ou getan konon, l'op fe question, ou utilize même sa. Can I go? Can I drive? Can I play? Eso la. Ou getan konon, pou voye sa la forme négative, ou di I cannot. You cannot, he cannot. That's all lie. Hein? Ou gata koni lo even on me ou di, you may not. Ouais, ou even on most ou di, most not. Ouais, hein, c'est que ou gata apprenne yo bagay na yide de ta. Ou gobren, hein? On gade deuxième, non, qui se kouid, ouais. M'ta kapa bede, le so la, kouna wap di ki sa, pou m'di m'ta, par exemple, di, m'ta kapa bede yente lui, ki sa m'abdi la classe, hein, m'abdi utilise conditionnel, parce que m'ta, c'est conditionnel m'pral hein m'capable et ça là ouais chaque ça a son temps si me dit m'ta capable aider au monde c'est que là m'en conditionnel et puis m'a précisé could ouais qui c'est conditionnel hein qui c'est conditionnel du verbe can et puis me dit I could help him I could help him ouais me dit m'ta capable aider lui ouais I could help him bear. I am the bear. He is too lazy. That's what I class. I could help him bear. Nta capable de lui, mais lui trop paresse. That's what I class. I could help him bear. He is too lazy. Hein? Mdi m'ta capable de aider lui ça veut dire m'gien moyen pour m'ta aider lui m'ta capable de aider lui mais lui trop paresseux ouais I could help him but he is too lazy mdi m'ta aider lui mais lui trop paresseux est ça la glace good job thank you very much OK hein c'est pas clair illégal là non bro il est my friend OK on invite polémique hein on encourage ça qui bon seulement hein get now mais I can't good I can't hein pas oublier mes amis toujours passer sous page Malebranche on d'hier follow page là suivez-li les mots fait quoi immédiatement monter ou j'ai une notification pour prendre une temps seulement vous comprendre laisse ça 1200 pile ou qu'a prendre une temps 10 ou 15 minutes en plus vous comprendre hein OK ouais I could help him. Là, elle me dit I could là, c'est could conditionnel, hein? Le conditionnel, hein? OK? Elle me utilise could aussi pour me faire question par exemple. Me dit
m'ta remé kon non hein, m'ta remé bon non ouais, hein, ma petite c'est même could ça qui est le conditionnel du verbe can. M'dit could you give me your name? Ouais, la m'utiliser politesse hein. M'dit could you give me your name? La m'dit could you give me your name? C'est dit m'dit m'ta remé gen non. Est-ce que là m'ta? Elle dit m'pa gen accès pour m'dit give me your name. Dit give me your name. Dit could you? Ouais, m'utiliser could qui est le conditionnel du verbe can. Could you give me your name? Est-ce que là en classe? Dit m'dare mon bon mieux coup de main. Dit could you help me please? Where could? Could you help me? Where? Could you help me? Est-ce que là en classe? Est-ce que là? Qu'on a un autre deuxième mot qui est mais. On dit may, ok? On dit may, verbe là c'est may. Présent conjugué, on dit I may, you may, he may. Pas oublier pour he. Présent, on va capter S, hein? Et puis là, moi, je vais passer simple qui c'est my. C'est nous là, glace. On suit bien. On dit là, moi, je vais passer simple, on dit my, ok? Et même, je t'allais aller, on te dit I may go out, ouais? I may go out. Là, me dit I may go out. Exemple, nous sommes prêts à aller, hein. C'est comme dit, par exemple, dit il m'est permis de sortir. Ok? Elle dit, nous avons permission pour me sortir. C'est cela. Nous utilisons may. Quand on a les mots venant passer, là, me dit, par exemple, dit hier, nous avons permission pour me sortir. Par exemple, dit hier, nous avons permission pour me sortir. Me pas sortir. C'est cela, hein. Quand on a qui ça me va l'utiliser pour hier, pour passer, là, c'est may, ouais. I might go out yesterday, but I couldn't. Ouais. Dim te doué sorti hier parce que c'est hier m'te gen permis pour me sorti, mais m'pas capable. Mais son hein, glace, hein? Je pouvais pas, hein? I couldn't. Là m'dit I couldn't là, c'est que là m'non passé du verbe can, ok? M'dit I may pour présent, I might pour le passé, hein? Pas oublier m'pas qu'à mettre tout après, hein? Il faut pas oublier ça, hein? Quand si on demande pour me conjuguer même ça au futur qui ça me fait m'aller là me garder équivalent li ça fait me dit me faire photo pour me la gueule dans le groupe là hein. Mhm. Ketner Omé, bienvenue Johnny Casimir, OK, thank you my friend. All right, OK, c'est Tyson qui gagne l'invitation hein. Where could you give me your name? Exact. Ouais, là on utilise sa chaise man, on comprend hein. Ouais, là on dit mon nom m'ta remé gen non oui hein. M'ta remé mon bon nom. Est-ce là? Ouais, bah écoute si mon nom hein, what is your name? Hein? Si tu dois rencontrer mon nom, on rend par exemple une petite fille exemple, va quand il pas tout dit what is your name? OK? Est-ce là hein? Si tu commences à dialoguer avec elle, dire hello, how are you? I'm fine, you fine? Hmm? Là, on a un dialogue, on dit, what is your name? Mais si on parle direct, on dit, could you give me your name? C'est ça, en glace, alright? Quand on dit, pour me parler de may, m'a utilisé équivalent pour me conjuguer le futur, ok? Quand on a, pour me gagner futur de may là, eh bien, qui ça me fait? M'a aller m'utiliser équivalent de may. C'est ça, hein? Équivalent de may, qui ça c'est? Will be allowed to parce que dans futur, ok? Là, là au présent, m'a bien I am allowed to, mais dans futur, m'a bien I will be allowed to. C'est que là, m'a venu glace, m'a dit I will be allowed to. Est-ce que là, hein? I will be allowed to. M'a bien encore you. You will be allowed to. Where? He will be allowed to. Where? He will be allowed to. That's all right, glass. C'est que là, je vais faire utiliser l'équivalent de may pour me parler de futur. That's all right, glass. Parce que je vais dire, I will may. That's all right, glass. Si je vais dire, I will may, mes amis. Baka dit I will may, et puis pour me parler de futur là, moi utiliser équivalent de may. Est-ce nous là hein? M'utiliser équivalent de may, équivalent de may qui ça c'est allowed to. Et bien là me vient dit I will be allowed to, you will be allowed to, he will be allowed to. Qu'est-ce que ça veut dire la classe hein? Li pral autoriser moi, li pral ban permis hein.
He will be allowed me to go out. Li pral bon permission pou m soti. Eso la, hein? Hein? Eso wè? Wè? Li pral bon permission pou m soti. Di, he will be allowed me. Wè? He will be allowed me to go out. Eso wè, glas? Eh? Eso wè bel ti fwaz, hein? Wè tout bel ti fwaz ou ka fè avè? He will be allowed me to go out. Ki sa pral fè la? Li pral bon mwen permission pou m soti, hein? Hein? Eso la, hein, glas? Li pral fè amèk mwen soti. Wè? He will be allowed me to go out. Ki verb, ki ekivalent, ki ekivalent m'utilize la? Ekivalent de may. Eso la, hein, glas? M'utilize ekivalent de may. Koun ya, glas? An passe nan denye avou n'fini, hein? Denye ki sa ki se most? Ki se most? Di most... L'envie nam di most égal à to have to, ok? Most qui est pouvoir, ok? Il en a parlé de devoir. Kouna l'envie nam li égal avec to have to, ou bien to be obliged to, qui égal à devoir. Kouna l'envie nam boum conjugal au présent qui s'alba mwen kleas, li ba mwen most, di I most, hein? I most study. I must wait. Eso la, parce que ba me tout mbaka di I must to wait. I must wait. Wè? Eso la, hein, glas? Kounya yo dim, lem vin nan passé li, le passé, glas, pou passé ya, mal utilise équivalent. De l'autre passé, mais yo pa tellement utilise, yo, hein? Utilise sa pito, hein? Wè? Vin nan di kounya équivalent de mousan ki se have to, ki se have to, lem di had to, là d'utiliser le passé du verbe devoir. Est-ce là hein? Ouais, je devais. Ouais. Kou na classe, pou me dire je devais, eh bien, m'pa ka di, m'pa ka utiliser même verbe ça pour passé là, eh bien m'utiliser équivalent. Kou na m'a dit I had to, OK? Par exemple, I had to study. Ouais, I had to study my lesson. Ouais, I had to study my lesson. Qui ça est? Je devais étudier mes leçons. Hein? Elle dit, moi te dois étudier les leçons. Est-ce qu'on a une glace? Moi te dois étudier les leçons. I had to study my lesson. Ouais, moi te dois étudier les leçons. I had to study. Ouais, c'est le verbe must. Qu'on a pour présent, dit, I must study. Hmm? I must study my lesson. Hein? Qu'on a pour futur les classes l'aime venir ouais nous on passé à qu'on a pour futur l'aime prendre le futur là qui ça me fait et bien qui ça me dit m'utiliser will have to c'est là hein m'utiliser will have to est-ce qu'on a une classe qu'on a pour m'utiliser futur là m'utiliser passé à qui c'est had to au présent l'aime bien le présent quoi bon I have to study ok. Au passé, c'est I had to study, hein? Je devais. Ok? Kounya, si on dit future, le classe future de most, qui ça me fait glace, mais utiliser équivalent de most, qui c'est have to. Et bien, kounya, pour future, là, qui ça me dit, I will have to study my lesson. Ouais. You will have to study your lesson. Eso la, glas? Kounya, si m'a fait question la, ki sa m'fè? M'gen have to, ki est le verbe devoir. Mais pas oublier là, nous gagnons présence de will. Hmm? Will qui indique futur là. Plus que will indique futur là, pour m'faire question, m'utilise même will là. Par exemple, la m'di, Will you have to study your lesson? Point d'interrogation, eso la, eh? Will la fait question. Will you have to study your lesson? Eso la, hein? Pas oublier la conditionnel là après ouais tableau pour observer. Moi faire photo pour me la gueule groupe là comme dit là. Ngien me regarder la moi temps là, OK? Hein? Moi conditionnel c'est my, eso la. Si me dit ta. Eso la. Depuis me ta dans conditionnel, si m'en a fait avec mais ngien ta ouais la ban moi might, ouais? Moi comment l'écrit might, regardez, me dit might, c'est passé de may, OK, c'est conditionnel de may aussi, li ni passé, li ni conditionnel, ça va demander phrase là, est-ce qu'on a une glace? Kounya, l'aime vina après will have to, moi kounya,
conditionnel li c'est should hein. En pile fois est-ce pas elle mon a parlé l'utiliser should là mon a utilisé should comme ça clair c'est que l'utiliser quoi l'utiliser conditionnel du verbe most should là c'est équivalent hein est-ce en anglais hein me dit I most I had to I will have to OK là moi dans conditionnel là lui même should est-ce là hein. Kouna, si mam zoumoun, ou ta doué étudier les sons, hein? Qui sa vous mandem la? Yo mandem pou m'utiliser should, parce que le bim gem ta, hein? Est-ce là, hein? Ou ta capable étudier les sons, hein, Glass? Est-ce là? Kouna, m'gem ta, et bien qui sa m'a le faire, m'a utilisé conditionnel, voilà, m'a utilisé équivalent, parce que most, pas un conditionnel qui exactement avec même most là, c'est équivalent, et bien m'dit, I should, I should study. Est-ce là? Est-ce ouais? I should study. Ouais. Est-ce là? On dit, m'ta capable d'étudier les sons, oui. Ouais. I should study my lesson. Ouais. Should, c'est le conditionnel du verbe must. C'est dans l'anglais, hein? C'est un très bel coup, mes amis. Très, très bel coup, hein? I will have to study my lesson. Very good. Could you please receive me right now, my teacher? Because I am very late. Oh, my friend, no problem. Okay? That's why I call this is a kudla. Kudla go sagesse en dedans. I will have to study. You should study your lesson. Where exactly? Ou ta supposé, ou ta doit étudier les sons, hein? Très bien, très bien. Good. Should I mind? No. Should I mind? No. Should I mind to take a shower? No. Should I take? Ladies, should I take? It's not good, Christia. Is it good now? Should I mind now? Now. Un bon exemple, Christia. Should, qui est le conditionnel de most. Et puis, mien, I am encore. Hein? Mien, I am going encore. Let me see. Exact. Mien, go, I am going encore. Hein? À son boule de zé qui est là, Christia. Son boule de zé qui est là, c'est là. Hein? Should, là, pas qu'à tout marcher avec. Avec I am going na koli now. Est-ce là, hein? Est-ce là, hein? OK? Kounya, m'ka di, I am going to take a shower. Should I? Est-ce là, hein, Christy, hein? M'ka di, I am going to take a shower. Should I take it? Est-ce là, hein? M'ka pa branli. Where is it? I am going to take a shower. Should la ba la poko la, non? Est-ce là? Hein? Est-ce là? Hein? Même pas qu'à dire should, am I? No, 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 no. So, boule de zèk ta boule là, hein? OK? Il t'a suivi toi, moun. OK? You should study your lesson. Good. I should too. No, je n'ai ou pas là. M'di, après moun sa yo class, après ça, ouais, quand tu check, yon pas qu'à mettre tout après yo. On garde bien. On suit bien. Tout quand tu check là, yon pas qu'à mettre tout après yo. Moun sa yo, de yon pas qu'à mettre tout. M'pa ka mete tout après ça. Hein? Gade ti tablo a bien. Tout koto wè m'fè flèche yo, m'pa ka mete tout. M'pa ka di I should too study now. No. M'pa ka di I should to study class. Bakadi, I should to study. Parce que qui ça nous te dit? Trois moun sa yo class, yo pa pran tout ni devant yo, ni derrière yo. Yo se de grand moun. Ok? Ça qui m'bakadi, I should to. Ok, Kisi? Oui, j'aime de tout la Kisi. Par exemple, dit, I am going to take a shower. Should I take it? Est-ce là? Should I take it? Ouais? Mais should avec I am going, kole non. Alright? Good. Non, faut et bien c'est ça oui, c'est ça que les pratiquer avec ici, hein? C'est leur dire un bagage qui pas bon et puis le corriger, c'est très bien, hein? OK? C'est ça qui va le permettre ou grandir. C'est ça me toujours demander pour nous faire ce groupe là, est-ce là, hein? C'est dire ça qui pas bon, hein, pour qu'on connaisse ça qui bon, hein? OK? Très bien, GG, hein? Pas qu'à dire should do. Non. OK? Très bien, très bien, très bien. Bon, regardez qu'est-ce qu'il fait l'autre phrase encore avant de finir. Think
Thanks, my friend, Tyson. Okay, could you give your name? Very good. Okay, could you send me the link of your YouTube channel, please? Exactly. Good. Good job. All right. Huh? Okay. Okay, thank you very much. Okay? Mes amis, c'était un vraiment plaisir. Moi, remen les noirs suivre quoi avec nous partager. Ouais, je dis là, malgré comment ça pas de partage, mais après ça, un pile monde partager, moi remen ça, ou montrer ou supporter le travail là. Mais on leur partage le ouais, ou pas vite cadé. On connaît c'est pas ambiance qu'a fait. Comprendre c'est pas vieux sujet, hein, c'est pas politique, hein. OK? C'est ça ou après mon intéressé. Mais il y a des bons bagages tout qui puis bon, hein, que ça est que on apprend pour la vie. All right? Hein, moi félicite nous et chaque monde mes amis qui passait sur YouTube là, hein. OK? Qui regardait Malheur Branche on the air ou bien écrit tu es Malheur Branche on the air. Mes amis, l'aime la bonne vidéo. Moi c'est 5 monde qui regardait là. Si m'y a un paquet moun k'ap supporte m ki gen un groupe WhatsApp tout qui a supporté mes amis, l'aime la gueule, au même te ka wè yon 100 moun gade l, ou prann au même te ka wè yon 100 moun inscrit qui vin encourager m nan sa m ap fè a, ou prann parce que groupe paquet sacrifice k'ap fèt la, gen moun ki sentil, gen moun ki pa sentil tout. Ouais, sel ti bagay mande ou, c'est supporter moi nan passe sur YouTube là, invite moun inscrit, même Jean-Christ voye en pile moun inscrit déjà, moi remercie en pile, moi remercie au live hein. OK? En pile moun te ka fait même bagay là, ou gen frère, ou gen sœur, gen ami, ou ka toujours partager le clan, encourager moi parce que ça m'a fait moi investi pour lui. Vous comprenez? Ou doit pas sentir ça, mais investi qu'on est forme gen internet, ou quand pendant m'a fait live là, internet tombé, moi obligé monter l'autre, j'ai gen deux. Et tous les deux fois au pays, c'est cela. Hein? Sous qu'à encourager dans YouTube là, pour page là augmenter, vous comprenez? Pour me gagner au moins 1000 monde, pour me faire live là sous le tout. D'abord, merci en pile. Invite tous amis, on please. Debout écrit teacher Malheur Branche on the air. Ou bien regardez dans même page YouTube ça Malheur Branche on the air qui sous Facebook là. Ou après me partager en pile les vidéos sous les. Vous hein? Toujours passer bon love là. Montrez-moi apprécier ça qu'a fait là. Hein? Pour me gagner plus force pour me continuer. Hein? Thank you for following Malheur Branche on the air. C'était un très bel coup. Mais demain, si je veux coup, après, vraiment belle. Ok? Je vais montrer un petit détail qui est là-dedans. Kounya, demain, si je veux montrer comment utiliser KenMay Moss. Ok? How to use KenMay Moss. Ou après, vraiment belle. Parce que demain, si je veux, c'est des utilisations de balbali. Hein? Là, je vais montrer équivalent. Yo. Yo pas prendre tout ni devant ni derrière, etc. Mais demain, si je veux, je vais montrer comment les utiliser. Et cela, hein? Comment ou doit utiliser yo? Qui l'est ou doit utiliser yo? Dans quel moment pour utiliser Ken? Dans quel moment pour utiliser Moss? Dans quel moment pour utiliser May? Ouais, ou gen raison pour supporter, mais. Thank you. It was a pleasure to be with you, okay? Seeing you tomorrow at the same time. 8h, 9h, teacher Malheur Branche on the air. Bye bye. Where is your name? It's not where. What is your name? What? Hein? What is your name? C'est pas where. Là, il m'a demandé mon côté nom mieux. Okay? C'est where. What is your name? It's not where. Okay? C'est pas where. All right? Bye.